Nancy 20e accueille Sochaux 14e, des Nancéens qui respirent après leur première victoire de la saison et leur premier but inscrit la semaine précédente. Il faut confirmer ce résultat à domicile face à des Sochaliens qui restent eux sur deux défaites sans avoir marqué le moindre but. La première opportunité énorme en faveur de Sochaux. Le tir d'Hermedine Demirovic. C'était très bien fait, ça termine sur le poteau, ça rebondit sur le gardien, une deuxième chance avec Thomas Robinet au-dessus. Les Lyonceaux étaient les plus proches de marquer dans cette première période où il y a peu d'occasions, 0-0 à la mi-temps. Les deux équipes ont vraiment envie de se rassurer et de marquer. Nancy a bien sûr besoin de plus de points car ils sont derniers du championnat. Nouveau coup franc en faveur de Nancy. C'est directement sur le gardien et capitaine de Sochaux, Maxence Prévost. Un gardien de Sochaux qui s'en sort encore sur cette action. Un match triste et trop pauvre en occasion qui se termine assez logiquement sur un score de 0-0.